Viate d'Abropa Jalavat, on se retrouve aujourd'hui pour une artiste qui s'appelle Voronina Valeria. Donc j'espère que vous allez apprécier. Donc si vous voulez recevoir toutes les vidéos qui sortent de ma chaîne, n'hésitez pas à regarder ce logo, cliquez dessus. Voilà, n'hésitez pas à cocher la cloche des notifications, ça vous permettra de recevoir toutes les notifications, comme pour les artistes, hein. Moi, je suis abonné à tous les artistes, quasiment pas tous les artistes russes, mais tous les artistes qu'on m'a proposés. Je suis abonné à leur chaîne en cliquant sur la cloche des notifications. Et toutes, ça fait que je reçois toutes leurs nouvelles vidéos. Et là, on m'a proposé cette vidéo. Donc, si vous ne connaissez pas Voronina Valeria, n'hésitez pas, je vais vous mettre une petite fiche ici avec la playlist des titres sur la chaîne. Donc, et si jamais vous ne la connaissez pas plus, n'hésitez pas à descendre dans la description. Le premier lien, c'est sa chaîne YouTube. Le deuxième lien, ça sera le lien de la vidéo sur laquelle je vais réagir. Et la vidéo sur laquelle je vais réagir est une cover d'une reprise d'une chanteuse, alors qui risque de me tirer les larmes. C'est Whitney Houston qui interprétait One Moment in Time. Donc j'espère que vous allez apprécier. Alors, on m'avait proposé une vidéo, donc j'aimerais bien que la personne, une fois que j'aurai fait cette vidéo, me propose le lien de Voronina Vareya avec Arabian, je sais plus quoi. Et voilà, donc n'hésitez pas parce que j'ai pas trouvé le lien où je suis tombé sur un short. Donc faire une vidéo sur un short, c'est très compliqué. Avec un short, oui, faire une vidéo. Bon, celle-là était nulle. Donc, si vous voulez aider la chaîne, comme je vous le dis, n'hésitez pas, descendez dans la description. Tous les liens sont dans la description, ainsi que mon YouTube, mon VK, mon Instagram, mon Telegram. Donc, n'hésitez pas à donner un coup de main à la chaîne. Même une petite pièce, ça aide. Ce que fait, je ne me rappelle plus le prénom, cette femme, à chaque fois que je réagis sur Alisa Supronova, elle me fait un petit don. Et merci beaucoup. Avec un je sais plus comment ça s'appelle pour les lives. Voilà. Donc, j'espère que vous allez apprécier. On est parti avec Voronina Valeria. Donc, j'espère que vous allez apprécier. À tout de suite.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup à la personne qui m'a proposé Voronin Valeria, pardon. Franchement, elle s'est superbement chantée et cette interprétation a été juste magistrale dans le sens où elle a vraiment fait tout juste, dans le sens aussi où, dans le sens où les effets de voix, pas de fausses notes, rien. Je l'ai trouvé absolument incroyable. Merci de m'avoir fait découvrir cette interprète absolument juste. Qui a fait une interprétation qui m'a touché, The One Moment in Time de Whitney Houston, et franchement elle m'a touché vraiment grandement parce que dès les premières notes on le sent ou pas si la personne, alors après les chanteurs savent chanter, ça je suis d'accord, mais on sait dès les premières notes au fond de soi-même le talent de la chanteuse, dans le sens où il y a vraiment quelque chose qui fait que. Et là, il y a vraiment quelque chose qui fait que. Et puis, elles sont magnifiques, vos femmes. C'est incroyable, ça. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. C'est pas possible. Envoyez des femmes un peu moins jolies qui chantent. Celle-là, Valeria est absolument magnifique.
Et en plus, elle chante bien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on craque pas pour ces chanteuses qui nous font vibrer l'âme. Franchement, c'était vraiment absolument un excellent moment. 5 minutes 21 de plaisir. Et voilà, je remercie encore une fois la personne qui me l'a transmise. Voilà, donc on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos proches, prenez soin de tous ceux que vous pouvez aimer. Puis on se retrouve sans faute demain. Là, franchement, continuez à me proposer du niveau pareil, à tous les niveaux, hein, que ce soit groupe, chanteur, venant de chez vous, c'est... Il y a un vivier de malades, voilà. Donc, allez, on se retrouve demain. Je vous aime vraiment très fort. Allez, à demain.